Bonsoir à tous, en direct du Parc des Princes pour cette 26e journée de Ligue 1. Les Parisiens qui accueillent ce soir la AS Saint-Etienne, 16e du classement, qui reste sur 4 matchs sans défaite, tandis que les Franciliens, leaders incontestés de cette Ligue 1, qui reste sur une défaite à Nantes, a sorti la grosse armada ce soir avec le trio magique Mbappé, Messi, Neymar. Le Parc des Princes qui a fait le plein ce soir. On va regarder ensemble les compositions des deux équipes avec du côté du Paris Saint-Germain, Donnarumma sera dans les buts. En défense, Mendes, Kimpembe, Marquinhos, Hakimi. En milieu de terrain, Gueye, Verratti, Danilo. Et en attaque, Neymar, Mbappé, Messi. Et oui, les Parisiens qui se regroupent ensemble parce qu'ils savent qu'il faut renouer par une victoire en Ligue 1. Du côté de Saint-Etienne, Nenou Camara en mieux. Boudbouze en meneur de jeu. Kazri, Buanga devant. Les hommes de Pascal Duprat qui sont en grande forme en ce moment. Le coup d'envoi sera donné par les Stéphanois avec Kazri. Le capitaine de cette équipe stéphanoise. Et c'est parti pour cette première période avec les Stéphanois. Kazri, Neo, Kolodziejczak. Il n'y a pas de solution, il est bien pressé par Hakimi, mais il revient sur Kazri, Kolodziejczak, Neo, Kazri, Kazri. Kazri qui trouve sur le côté gauche Kolasinac, Neu. Neu qui est bien pris par Hakimi. Messi, Mbappé. Mbappé, le prodige français qui écarte bien sur Neymar. Neymar, on sait qu'il est capable avec un petit crochet sur le côté gauche pour Mbappé. Super barré de Bernard Donny. Et première grosse occasion pour les Parisiens. On voit Neymar qui trouve Mbappé entre les jambes du défenseur stéphanois. Il a réflexe du portier stéphanois. Premier corner de cette partie avec Neymar qui va jouer, qui centre, c'est bien récupéré par les Stéphanois qui dégage loin devant, mais ça va être récupéré par le portugais Mendes qui est contré mais qui peut récupérer ce ballon. Neymar, Neymar qui rentre dans la surface d'opération. Mbappé, Mbappé, Messi, superbe, et encore un arrêt de Bernard Donny qui dégage loin, mais ça va revenir très vite. Les Parisiens qui mettent une grosse pression au début de cette première période. Danilo, Danilo qui trouve Mbappé, la frappe de Mbappé, c'est encore un arrêté, mais c'est remis de la tête, Danilo, la frappe de Danilo, et encore l'arrêt super de Bernard Donny. Et c'est dégagé une extrémiste par la Saint-Etienne, récupéré par les Parisiens avec Danilo. Danilo qui est dans la surface, petit talonnade, la frappe de Mendes, c'est contré, et ça sera un corner. Et oui, Pochettino qui demande de jouer, jouer. Et c'est Ghana, le Sénégalais qui frappe sur la défense stéphanoise, qui souffre dans ce début de rencontre. Neymar qui va tirer ce corner. 10 minutes de jeu, toujours 0-0 entre le Paris Saint-Germain et la AS Saint-Etienne. Ils vont jouer à deux, non, Neymar le frappe la tête, but en or, au-dessus du but stéphanois, cette tête, mais ça chauffe de plus en plus dans la défense stéphanoise. Bernard Donny qui va tirer ce 6 mètres. Kolodziejczak loin devant, mais ces ballons ne servent pas à grand chose. C'est récupéré par les Parisiens. Danilo, Messi, Messi toujours. Messi qui va redonner à Kylian Mbappé. Superbe, non, là, il passera pas Kylian. Kazri, Neu, Kazri qui redonne à Buanga. Buanga qui va écarter sur Masson, qui va remettre derrière sur Sako. Camara, Boudbouze, Boudbouze en profondeur, ils seront trop courts et ça sera un hors-jeu du côté stéphanois. On revoit cette occasion. Eh oui, il est hors-jeu, il est hors-jeu.
Et les Parisiens vont pouvoir se relancer avec Mendes, hein, qui remet à Kimpembe, hein, qui va longer sur Neymar, hein, qui va remettre à Gay, hein, Danilo, hein, Lionel Messi, hein, qui remet à Danilo, Danilo qui prolonge pour Mbappé, qui va écarter sur Neymar. Neymar qui rentre dans la surface d'opération. Le centre Messi, le premier but! L'ouverture du score pour Lionel Messi qui marque son troisième but de la saison en Ligue 1. Ah, il est content, ça va lui faire du bien, Lionel Messi. Et on sentait ça chauffer de plus en plus dans la défense stéphanoise. Ah, ils sont tous venus le féliciter, oui, parce que ça va lui faire du bien, Lionel Messi. On revoit cette occasion, Mbappé qui écarte pour Neymar. Et qui donne à Lionel Messi, et qui crucifie Bernardoni, et qui ouvre le score, ici au Parc des Princes. Et l'ambiance monte d'un cran ici au Parc des Princes, avec ce but de Lionel Messi. Et oui, il peut serrer les points, Pochettino, il peut le serrer. C'est l'ouverture du score pour les Parisiens. Lionel Messi, 20e minute de jeu. On le sentait venir depuis quelques minutes. Les Stéphanois ont été acculés dans leur camp. Ils vont récupérer ce ballon avec Kadri qui trouve à Boutbouz. Boutbouz qui est bien pris par Verratti. Ah, Verratti, mauvaise passe de Marquinhos. Buanga. Buanga. Buanga qui est passé. Petit crochet sur Kimpembe. Petite égalisation. Égalisation. Superbe égalisation de Buanga. Qui égalise dans un silence de cathédrale ici au Parc des Princes. Et d'entrée de jeu, il répond à Lionel Messi. On revoit, superbe accélération. Il passe Kimpembe et qui frappe de l'extérieur du pied. Donnarumma ne peut rien faire. On revoit cette frappe de l'extérieur du pied en force. Et il égalise Buendia. Eh ouais, Pochettino, il n'est pas content. Il n'est pas content. Et Buendia qui égalise 3 minutes après l'ouverture du score de Lionel Messi. Mbappé, Verratti. Sur leur première occasion, les Stéphanois. Néou, Pascal Duprat était fou de joie. Mbappé qui remet à Danilo. Danilo qui protège son ballon. La frappe de Danilo. La frappe de Bernardoni. Mais ça sera un corner pour les Parisiens. Superbe frappe de Danilo. Neymar. Neymar s'est dégagé par la défense stéphanoise. Mais ça va revenir. Avec Gay. Gay qui contrôle ce ballon pour Neymar. Neymar qui remet à Lionel Messi. Lionel Messi peut-être pour le doublé. Non, Danilo pour Mbappé. Danilo, la frappe de Danilo. Le deuxième but parisien. Qui marque Danilo, le portugais. Qui marque ce deuxième but pour les Parisiens. Et qui permet au Paris Saint-Germain de reprendre l'avantage. On revoit cette occasion. Messi pour Danilo qui contrôle bien ce ballon. Pour Mbappé qui remet à Danilo et qui frappe croisée. Et qui trompe la vigilance de Bernardoni qui est un peu trop court sur cette frappe en force. Et oui, il est un peu court. Le portier stéphanois. Paris 2, la Saint-Étienne 1. Avec les Stéphanois, Kadri, qui écarte sur Kolodziejczak, sur le côté gauche. Ah, il n'a pas trop de solution, il est bien pressé par Hakimi. Neyou, Kolodziejczak, Boutbouz, Boutbouz, Adalas, Buendia, l'arrêt de Donnarumma. Ouh là là, il était pas loin du doublé. Buendia, au revoir. Cette frappe de l'intérieur du pied, peut-être qu'il manque de la force et du bras. Donnarumma sort ce ballon. Et ça sera un corner pour les Stéphanois. 31e minute de jeu, toujours 2 buts à 1 pour les Parisiens. Corner, c'est bien tiré, ça sera un peu trop fort, mais ça va être récupéré par les Stéphanois. Kolodziejczak, qui est pressé par Danilo. Mais il arrive à remettre sur Neyou. Nadé. Boutbouz, Boutbouz qui est dans les 18 mètres pour Buendia, Boutbouz, ah, bien Boutbouz, sans problème pour Donnarumma, qui remet à Kimpembe,
Kimpembe, Mendes, Verratti, Lionel Messi, qui a l'air un peu mieux, Lionel Messi, dans cette rencontre. Mbappé, Mbappé qui est un peu esselé, il va revenir derrière sur Danilo, et il est contré Danilo, mais c'est récupéré par les Parisiens. Verratti, Verratti qui attend des déplacements, oui mais il est pris, il garde trop ce ballon, Verratti, récupéré par Kimpembe, Gueye. Gueye qui écarte sur Verratti, qui remet à Lionel Messi. Lionel Messi qui rentre dans les 18 mètres pour Mbappé. Pour Lionel Messi, la frappe et l'arrêt. L'arrêt superbe de Bernardoni. On revoit cette frappe de Lionel Messi, peut-être trop axiale. Et l'arrêt superbe de Bernardoni qui sort ce ballon en corner. Pochettino qui donne ses instructions. Neymar pour ce corner, 32e minute de jeu, toujours 2 buts à 1 pour les Parisiens. Ah, ça sera, c'est mal tiré au premier poteau. Et les Stéphanois peuvent dégager, mais ils rentrent trop vite ce ballon, les Stéphanois, Kimpembe, Gueye, le Sénégalais qui frappe, il est contré, mais il peut récupérer ce ballon. Gueye et qui perd le ballon, et c'est récupéré par les Stéphanois avec Camara. Camara qui écarte sur Kazri, Camara, Bouanga, Kazri, Bouanga, Kazri, pour Bouanga. Boudbouz, Mwanga, superbe pour Kazri, et c'est récupéré par Marquinhos, Kimpembe, Lionel Messi, talonnade pour Danilo, Verratti, Mbappé, Messi, Messi toujours, Messi qui va écarter, sur Kylian Mbappé, la frappe d'Mbappé, et c'est contré, mais il peut récupérer ce ballon, le prodige français. Il va écarter sur Verratti. Verratti qui n'est pas attaqué. Attention, Verratti qui ne déclenche pas la frappe. Il perd ce ballon, Verratti. Attention contre Stéphanois. Non, c'est récupéré. Et c'est la fin de cette première période sur ce score de 2 buts à 1 pour le Paris Saint-Germain. Qui a dominé dans l'ensemble cette première période. Mais attention à cette équipe stéphanoise. Qui s'est montrée assez réaliste. Et qui est encore dans le coup dans cette première période. Très bon match de Lionel Messi. Et il est tombé sur un grand Bernardoni pour l'instant qui permet à cette équipe stéphanoise de rester en vie. On se retrouve pour la deuxième période. Deuxième période, bienvenue. Messieurs, dames, avec cet engagement pour les Parisiens. Verratti qui écarte sur Neymar. Neymar qui va remettre dans l'axe pour Gueye. Verratti, Danilo, Mbappé qui va écarter. C'est bien fait pour Lionel Messi qui rentre dans la surface de réparation. Mais il est bien pris par la défense. Mais Messi qui peut repasser peut-être pour Mbappé, peut-être pour le troisième but. Mbappé, Mbappé toujours. Mbappé qui garde trop ce ballon, il est contré par les Stéphanois. Verratti pour Lionel Messi, peut-être pour son doublé. Lionel Messi, petit salade, Mbappé. C'est un problème pour Bernardoni. 49e minute de jeu, toujours 2 buts à 1 pour les Parisiens face à l'Est Saint-Etienne. Messi, attention, Messi, Messi, là, il est mettre la frappe de Messi au-dessus de la cage stéphanoise. Ah, il se tient la tête à deux mains, Lionel Messi. Il faut la cadrer. Il ne l'a pas cadré, mais Pochettino applaudit quand même pour le motiver. Bernardoni. Qui va dégager loin. Danilo qui récupère ce ballon de la tête. Neymar, Danilo. Danilo. Lionel Messi qui remet à Mbappé, qui aimerait bien marquer son but dans ce match. Danilo pour Lionel Messi qui trouve Hakimi. Verratti pour Lionel Messi. Mbappé, pardon. Gueye. Lionel Messi, c'est contré. Ouh là là là, ça rase le poteau stéphanois. Sur cette frappe contrée de Lionel Messi, on revoit. Et c'est contré du ventre par le défenseur stéphanois. Mais ça sera un corner pour les Parisiens avec Neymar. 55e minute de jeu, toujours 2 buts à 1 pour les Parisiens. Neymar récupéré par les Stéphanois qui dégagent comme ils peuvent.
et s'est récupéré par les Parisiens qui pressent de plus en plus dans cette deuxième période pour se mettre à l'abri et marquer ce troisième but. Gueye qui temporise. Il cherche une solution, il la trouve avec Danilo. La frappe de Danilo, elle est contrée, ça sera un corner. Est-ce qu'il va la sauver? Oui, il la sauve, Masson. Nadé qui est contré, faut pas perdre des ballons comme ça pour les Stéphanois. Danilo qui revient derrière pour Lionel Messi. Lionel Messi, petit crochet, mais il est bien pris par la défense stéphanoise. Mais ça revient très vite, grosse pression parisienne avec Neymar. Neymar, petit talon, Nadé, la frappe de Mbappé, le but! Le troisième but parisien par Kylian Mbappé qui marque ce troisième but. On le sentait venir. On revoit cette occasion. Verratti. Petite passe de Neymar et cette frappe sous la lucarne de Kylian Mbappé. Et les Parisiens qui creusent l'écart grâce à ce but de Kylian Mbappé. Oui, et Pochettino, il est content. Et les Stéphanois qui vont pouvoir engager Kasri, Bouanga, Boudbouze, qui longe devant. C'est bien fait pour Camara. Il est pas hors jeu, Camara, mais très bien pris par Mendes. Qui trouve Neymar. Neymar. Qui remet sur Gueye. Neymar. Qui va trouver Lionel Messi. Danilo. Qui joue très haut, Danilo, sur cette rencontre. Danilo qui remet à Lionel Messi. Il est contré, bien récupéré par les Stéphanois. Camara qui revient derrière sur Sakho. Qui va longer devant, mais ça sera sans problème pour Kimpembe. Qui prend le dessus de la tête sur le milieu de terrain stéphanois. Messi. Messi qui joue avec Verratti. Mbappé. Verratti qui est contré par Neyou. Bouanga qui joue avec Kasri. Bouanga qui écarte. Sokolo Tchak qui remet à Boudbouze. C'est bien fait. Boudbouze qui va rentrer dans la surface de réparation. La frappe de Boudbouze et l'arrêt de Donnarumma. Mais il va obtenir un corner. Boudbouze pour les Stéphanois. Et ça sera Kasri qui va le tirer, le capitaine de cette équipe de l'AS Saint-Etienne. Et premier changement dans cette rencontre avec le changement et la sortie de Danilo Pereira par Leandro Paredes, l'Argentin. Corner pour les Stéphanois, 70e minute de jeu, toujours 3-1 pour les Parisiens. Le corner, et s'y dégager de la tête. Mais ça revient du côté stéphanois avec Nadé. Neyou qui est bien pris par la défense parisienne. Attention au contre, Mbappé qui garde ce ballon et il préfère revenir derrière avec Gueye. Neymar, Messi, Paredes pour son premier ballon. Paredes qui a un bon coup de pied, on le sait, pour Hakimi. Hakimi qui joue avec Lionel Messi, qui remet Mbappé, c'est bien fait, peut-être pour Neymar le premier but. Le premier but de Neymar et le quatrième pour le Paris Saint-Germain. Cette frappe du gauche. Il est hors jeu Neymar. Le Brésilien qui est hors jeu. On revoit cette occasion, Mbappé qui fait peut-être le contrôle de trop. Et Neymar est hors jeu. Et changement pour l'AS Saint-Etienne, leur premier changement effectué par Pascal Duprat. C'est l'entrée de Amouma. Et la sortie de Bouanga, le buteur stéphanois. Loin devant pour les Stéphanois. Kasri qui peut récupérer ce ballon. Il va écarter sur Amouma le premier ballon. Mais c'est perdu. Mbappé, Paredes, Messi, il est contré. Et c'est récupéré par les Stéphanois. Nané, Camara qui est passé en force. Camara aux petites louches, mais c'est récupéré par Kasri. Les Stéphanois peut-être pour revenir au score et peut-être faire en fin de match douter cette équipe parisienne. Mais c'est récupéré par la défense parisienne avec Mbappé, Lionel Messi, Verratti, Mbappé, Lionel Messi, Mbappé, Gueye qui longe devant. Mais c'est récupéré par les Stéphanois.
Camara, Amouma, Camara, Neyo, pour Kazri, superbe louche sur Masson, il a du champ Masson. Mais Verratti s'est bien replié, le centre, équipe Mbé qui dégage de la tête. Paredes, Neymar, Paredes, Gay, Paredes, Neymar qui remet sur Mbappé, qui va revenir derrière, sur Kimpembe, le capitaine parisien. Et c'est récupéré par Camara, Mangala, Mangala qui pousse ce ballon, c'est bien fait. Mais Mendes revient bien, il se replie et tacle superbe de Mendes. Et ça sera un corner pour les Stéphanois. Peut-être la dernière chance de revenir à 3 buts à 2 pour les Stéphanois. 86e minute de jeu, toujours 3 buts à 1 pour le Paris Saint-Germain. Bout de bouse pour tirer ce corner. Mais ça sera un changement encore du côté parisien avec Hakimi qui sort. Et c'est Draxler, l'Allemand qui rentre. Et c'est une balle tirée, c'est récupéré par Paredes, l'Argentin. Au super crochet, il est passé. Paredes, qui revient derrière. Kimpembe, Paredes, Neymar, Gay, Messi, Gay, qui remet à Mbappé. Oh, superbe geste technique de Kylian. Mbappé, Neymar, qui essaye de jouer avec Draxler, il ne le trouvera pas. Mangala, qui va écarter sur Amouma. Mangala, est récupéré par les Parisiens. Marquinhos, Gay, Paredes, Mbappé. Ah, il trouvera pas son coéquipier. C'est fini! 3 buts à 1 pour le Paris Saint-Germain. Qui bat la Saint-Étienne. Oui, Pochettino qui vient saluer son homologue. Mais les Parisiens reprennent leur marche en avant après cette défaite à Nantes. Et Saint-Étienne qui est stoppé dans leur série. Bonne soirée à vous, portez-vous bien. Merci à tous.